Yeshua est l'Aleph et le Tav. Alléluia. Et le nom de notre émission, c'est l'Aleph et le Tav, je suis. Pourquoi l'Aleph et pourquoi le Tav? Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir tout cela. Et en apprenant les lettres, en apprenant un peu plus sur ce terme qui est rare, mais qui n'est pas rare dans la Bible, mais qui est devenu rare. Alléluia. Alors, chaque samedi à 10h30, heure de Martinique, et 15h30 pendant l'été, pendant l'hiver, heure de la métropole, vous allez nous retrouver dans cette émission « L'Aleph Tav, je suis ». Alors, pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez nous joindre que sur WhatsApp au 07 du moins, 68 71 78 88. 07 68 71 78 88. Alléluia. Amen. Yeshua, il est l'Aleph et le Tav. Amen. Alors, qu'est-ce que l'Aleph et qu'est-ce que le Tav? Alors, nous allons passer un peu de musique et un peu de musique et en attendant que vous réfléchissez et voir exactement ben, qu'est-ce que l'Aleph, qu'est-ce que le Tav, le temps de vous préparer, le temps de prendre vos cahiers, vos crayons hein, pour noter tout ça. Qu'est-ce que l'Aleph et qu'est-ce que le Tav? Amen. Alors, oui. Nous allons passer un petit peu de musique avec Compas l'Évangile. Alléluia. Amen. Compas l'Évangile. C'est pour Yeshua, la lèvre et le tard. Nous voulons vous dire gloire de toute longueur. Attendez, Guillaume pour mettre que mon Dieu fait. Elle est toujours qui me parole. Mille ennemis de me tomber à gauche, 10 000 ennemis tomber à droite. Moi, pas que on y est pour faire. Parce que mon Dieu, c'est protection. Moi, ma machine en mettant lion avec Jésus, ma paix passe. Oui. Tu es ma paix, dans du sel, tu es moi. Tu es l'aime tombe, moi toujours l'épée. Tu es l'aime sauté, mon Dieu. Et si tu es mon Dieu, pas pour répéter. Et pour mettre que mon Dieu est fait. Elle est toujours qu'elle me parle. Mille amis de me tomber à gauche, 10 000 tombés à droite. Moi pas que on y est pour faire. Parce que mon Dieu, c'est protection, moi. Ma chaîne en mettant lion avec Jésus Mbappé, oui. Tu es ma présine, tu es la tu es moi. Tu es l'aime tombé, moi toujours levé, paré ta tête, non, non. Tu es l'aime tombé, levé. Et si tu es mon va voler, que c'est. Gardez ces moments pour qu'on fasse sous deux pieds, pour bailler, pour dire gloire, pour tout ça, c'est pour vous. David te fait, ça il te fait, tout le monde qui te fait, yo. Je t'ai une raison spéciale pour ça. Et puis, adore. Mon Dieu, on va y salir. C'est au boulot, j'ai mon toucher.
pas chargé en rien. Sous la veille, j'ai une bénédiction, ça. Mais t'as genou, prier, mon Dieu. Oui, j'ai ma prédiction, dans le sein de moi. Sous elle est tombée, protéger ou tout pendant les y a tout problème yo et puis il pas chargé ou rien sous la veille je me donne sur ça mais là je nous prie pour Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Alors, il y a un temps pour danser, un temps pour chanter. Amen. Et aussi, il y a un temps pour que nous puissions étudier. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, l'étude d'aujourd'hui, ce sera sur le nom de l'émission, hein, parce que à l'EFTAV, je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est pourquoi je pense que avant de commencer à entrer dans les lettres de l'alphabet, etc., et de parler de certains mots, on commencera par ces trois mots du titre de l'émission. Aleph, Tav, je suis. Amen. Quand je dis je suis, c'est pas moi. Je suis, c'est qui? C'est Elohim. Alléluia. Ouais. C'est Elohim qui est je suis. Elohim. Alors, on va commencer par je suis comme ça, ce sera plus simple. Expliquer je suis. Alors, je suis en hébreu s'écrit avec quatre lettres. Quelles sont ces quatre lettres? Quelles sont ces quatre lettres en hébreu? Alors, ces quatre lettres, c'est Yud, Yé, Vav, et à nouveau Yé. Alléluia. Alors, ces quatre lettres, lorsqu'ils sont la translittération en lettres latines, ça te donne Yud, c'est quoi? Yud. Non, Yud, c'est Y. Ah ouais, Yé, c'est quelle lettre? H. Fort pour les auditeurs. Le H. Le H. Vav. Le W. Alors, W ou V, et des fois, c'est le son OU. Et à nouveau Yé. Alors, Yud se prononce comment? Le Yud. C'est Y. Le Y se prononce comment? Yé. Y se prononce comment? Y. Yeah. Le Y se prononce comment? Le Y. Le Y, eh bien, y a pas de, c'est le H. Le H. Le H n'a pas de son. Alléluia. H, c'est une lettre silencieuse. Et le W se prononce comment? Le W, eh bien, se prononce comme dans certaines langues, et auparavant, c'est ou. Et après, cette lettre a changé. Cette lettre est devenue le vav qui se prononce v. V, c'est une prononciation nouvelle. Et après, on retrouve le yé qui se prononce comment? Qui est silencieux. Alors, Yud, He, Vavier, avec ce mot-là, ils ont fait un mot, et ce mot, c'est de ce mot qu'est venu le mot Yahweh.
pourquoi on dit Yahweh? Parce qu'à ce moment-là, on prononce le W comme un ou. Ça fait Yahweh. Mais comme la prononciation a évolué, le W est devenu V. Alors ça donne Yahweh. Amen. Et c'est ce mot qui signifie je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis l'Aleph et le Tav. Mais avant d'arriver sur l'Aleph et le Tav, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'origine de ce mot je suis celui qui suis. Avec ces quatre lettres Yud et Vavier. À quel moment dans la Bible qu'on nous parle de ces quatre lettres? Alors, les théologiens appellent ça, ces quatre lettres-là, ils appellent ça le tétagramme. Hein, c'est un mot grec qui veut dire les quatre lettres. Le tétagramme. Et à quel moment qu'on a reçu le nom, ce nom-là, que Elohim a donné ce nom-là à l'homme? Alors, on retrouve cela dans le livre d'Exode, au chapitre 3, à partir du verset 13 à 14. Je suis celui qui suis. Hein. Nous allons dire je suis celui qui suis parce que la prononciation, on ne sait pas si c'est Yahweh, si c'est Yahvé, mais ce n'est pas grave. Hein. En tous les cas, ce n'est pas Jéhovah parce que c'est un Y et la lettre J n'existait pas. Tous les noms qui commencent par J, comme Jean, comme moi-même, hein, Jean, ces noms n'existent pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans les textes originaux. Ça n'existe pas. À l'époque, la lettre J n'existait pas. La lettre J, ça fait, c'est dans les années 1800 que c'est arrivé dans la Bible. Parce que la lettre J ne faisait pas partie de l'alphabet latin. C'était une lettre qu'on utilise comme on utilise certaines lettres dans les nombres romains. Hein, ça servait dans les nombres romains. Mais la prononciation J, ça n'existait pas. Hein, c'était le Y et après dans la Bible on a changé tous les mots qui commencent par Y, on les a changés avec J. Alors je suis celui qui suis révèle à Moshé son nom. Et là nous allons pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire Yod Yé Vavié. C'est dans Exode 3 verset 13 à 14. Attendez, je baisse un peu la musique. Alors. Moshé dit à Elohim, « Voici, quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit à Moshé, je suis qui je serai. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Alors, revenons sur ce texte de Exode 3. Et là, le Seigneur, il révèle à Moshé son nom. Et ce nom a quatre lettres. Yod, Yé, Vav, Yé. Yod, Yé, Vav, Yé. Alors, tu peux répéter après moi. Yod, Yé. Yod, Yé. Vav, Yé. Vav, Yé. Alors, le Yod a une signification. Le Yé a une signification. Le Vav a une signification. Et le Yé a la même signification. Alléluia. Alors, le Vav, le Yé, non, le Yod, c'est la plus petite des lettres. C'est cette lettre que Yeshua parle, il dit, il n'est pas venu pour enlever la plus petite des lettres. Il n'est pas venu pour enlever un Yod. Alors, on a traduit par Yota, qui est le I.
en grec, mais il dit c'est un yud. Alors le yud, il n'y a pas d'équivalent en grec. On le retrouve dans l'alphabet latin, Y. Et on peut se poser la question, je ne sais pas si ceux qui m'écoutent, si vous pouvez m'apporter la précision, sûrement il y a même si vous n'êtes pas des grands grecs, mais il y a peut-être certaines personnes qui connaissent le grec mieux et qui s'ils peuvent nous dire pourquoi cette lettre est appelée Y. Parce que cette lettre n'existe pas dans l'alphabet grec. Le I existe, comme dans l'alphabet latin, mais Y n'existe pas. C'est pourquoi dans la Septante, le Yud a été translittéré par le I. Vous allez voir dans certaines Bibles, ils mettent I à la place du Y. Et dans les Bibles françaises, ils ont décidé de mettre le J. Mais au départ, c'est un Yud. De Yud, on est passé au I. Et du I, certains sont passés au J. Bon, nous allons voir ça un peu plus tard. Mais le Yud a une signification. C'est la plus petite des lettres. Mais c'est la lettre la plus puissante. Le Yod. Le Yud, voilà, le Yod. C'est la plus petite des lettres, mais c'est la plus puissante. Des lettres. Voilà, elle est comme une virgule. Voilà. C'est une virgule qui commence de la gauche vers la droite. Hein, comme un petit angle droit. Tout petit. Hein? Et une petite barre horizontale et verticale. Elles sont la même grandeur. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce signe, ce symbole? Eh bien, c'est le symbole de la main. Mais elle est penchée tout en haut. Qui veut dire que ce n'est pas la main de n'importe qui. Ce n'est pas une main d'en bas, mais c'est la main d'en haut. La main d'en haut, c'est la main de qui? D'Élohim. La main d'Élohim. Dans le nom de « Je suis celui qui suis », ça commence par la main d'Élohim. Il dit à Moshé, tu leur diras que je suis qui je serai. Ces quatre lettres, parce qu'en hébreu, il n'y a que des consonnes, commencent par la main. Et beaucoup de noms commencent par un Yud, comme Yeshua, comme tous les noms que vous voyez qui commencent par la lettre J dans la Bible, que ce soit Jérémie, que ce soit Jonas, qui est Jonas, ce sont des noms qui commencent par ce symbole de la main, la main d'Élohim qui est sur cette personne, qui est sur ce mot. Alors lorsque Yeshua dit qu'il n'est pas venu pour l'enlever, ça veut dire que s'il enlève cette plus petite lettre, c'est comme s'il enlevait la bénédiction de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui les a pris de remplacer le Yud en inventant une nouvelle lettre, le J? Mais aujourd'hui, on ne va pas tellement parler du Yud, on ne va pas tellement parler du Yé, mais on va plutôt parler de Aleph Tav, parce que c'est Aleph et Tav, ces deux lettres-là qui se retrouvent dans le nom de cette émission. Mais on peut se poser la question, mais lorsqu'on fera le Yud, on va se poser la question, pourquoi la plus petite lettre a été remplacée? Et pourtant, Yeshua dit, il n'est même pas venu pour l'enlever. Il n'est pas venu pour changer aucune lettre dans la Torah. Après, le Yé, alors ça représente le H. Alors, en français, en latin, on dit H. Tu fais H, comme si tu lâches un souffle. Alors, le H, ça symbolise la louange. Alors, quel rapport qu'il y a entre la louange et le souffle? Il est dit, tout ce qui respire fait quoi? Loue. Mais c'est loue, je suis celui qui suis. Ça veut dire que, après la main, le souffle que nous lâchons, le souffle que nous respirons, le souffle que nous rejetons, le souffle qui nous permet de respirer, le souffle qui nous permet de vivre, c'est ce yé là. Dans le nom de « Je suis celui qui suis », il y a la vie, il y a le souffle de vie. Il y a la main, il y a le souffle. Et pourquoi il est dit que tout ce qui respire loue « Je suis celui qui suis » parce que quand tu respires,
l'oxygène que tu respires, même si tu n'es pas croyant, même si tu es athée, tu ne peux pas vivre sans respirer. Oui. Le jour que tu ne respires plus, tu meurs. C'est pourquoi dans le nom de « Je suis celui qui suis », il y a cette lettre-là. Mais on va voir ici deux fois. Le souffle. Le souffle. Je suis celui qui vous donne la vie. Je suis celui, je suis le réel. Tout ce qui vit vient de moi. Et tout ce qui respire vient de moi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur a créé l'homme, lorsqu'il a créé les animaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la terre, il a façonné, il a fait le lion, il a fait le serpent, il a fait... Apparemment, le serpent, il avait des pattes. Il a mis ses pattes. Il a fait aussi l'homme. Il a mis deux trous. Hein? Il a mis deux trous. Alors, si l'homme était africain, je pense que le nez était assez large. Le nez n'était pas percé. Il a fait deux gros trous. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait dans les deux trous? Il a soufflé. Il a soufflé. Et on peut dire chaque yé, c'est un trou de narine. Il a soufflé. Soufflé. Et c'est de là qu'il est devenu... Il a soufflé. Et tout ce qui était terre est devenu vie. Tout ce qui était terre est devenu une âme vivante. Qui veut dire que le souffle, lorsque ce souffle sort, eh bien, tu meurs. Qui veut dire que tu crois, que tu sois athée ou pas, tu as besoin de ce souffle pour vivre. Et le nom de Je suis, c'est ce, à toute cette symbolique, à toute cette signification. Et puis, il y a le Vav, qui veut dire le crochet. Le crochet, mais ça veut dire aussi, ça permet de c'est comme si plus, c'est comme si ajouter. Comme si entre les deux souffles, entre les deux yé, il y a le vav, il y a le clou, il y a le crochet. Qui veut dire que le crochet, c'est ce qui permet de nous accrocher au Seigneur, ce qui nous permet de nous accrocher à quelqu'un d'autre, ce qui nous permet de nous accrocher pour faire une alliance. Hein? C'est le crochet, c'est l'alliance. Ils utilisent cette lettre pour dire « et ». En hébreu, pour lorsqu'il faut ce symbole pour dire « et », lorsqu'il faut dire « maman » et « papa », ben, avant « papa », ils vont coller cette lettre « vav » pour dire « ajouter », qui veut dire « plus ». Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, que le Seigneur ajoute dans sa bergerie certains qui nous écoutent. Amen. Et il est important qu'on sache que sans le souffle du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Amen. Sans son souffle, nous ne sommes rien du tout. Amen. Alors, nous allons passer un petit peu de musique et nous allons continuer après sur Aleph. Hein? Aleph, qu'est-ce que ça signifie Aleph et qu'est-ce que ça signifie Tav. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis richement et restez à l'écoute au nom puissant de Yeshua. Le Mashiach. Amen. Amen. Soyez bénis. À gauche, 10 000 tombés à droite. Moi, pas qu'il y a rien pour vous faire. Parce que bon Dieu, c'est protection. Moi, ma chaîne, on met en lion. Avec Jésus, papa, on y est. Tu es ma paix, j'ai une tristesse. Moi, tu es l'aime tomber. Moi, toujours lève, me parler ta tête. Non, non, tu es l'aime tomber. Sous de pied, on pouvait vous dire gloire pour tout ça, il fait pour vous. David Devel, Saïd Devel, tout le monde qui Devel, yo. Je t'ai goûté ce spécial pour ça. Et puis, c'est au boulot, j'ai mon toucher.
qui respire l'eau. Je suis celui qui suit. Tout le monde, tout le monde. Je suis celui qui suit. Alléluia. Où Dieu mène, il protège. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on. Si on s'arrête juste à. Si on s'arrête juste à Exode 3. Verset 14, on pourrait dire que Moshé, c'est le premier que je suis celui qui suis à révéler son nom. Amen. Amen. Parce que c'est la première fois qu'on découvre cette histoire. Amen. La première fois qu'on découvre qu'Elohim dit, je m'appelle ainsi. Mais comment ils appelaient Elohim auparavant? Où est-ce que le nom de je suis celui qui suis avait été perdu avec le temps? Et Elohim lui révèle à nouveau le nom qu'on l'appelait au départ. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre de Bereshit, Bereshit c'est Genèse 4, verset 26. Je vous laisse chercher. Bereshit 4, verset 26. Alléluia. Ouais. Vous voulez nous excuser pour la musique qui était un petit peu trop forte. Alors, nous allons reprendre notre texte. Bereshit 4, Genèse 4, verset 26. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il naquit aussi un fils à Seth. Hachem, Hachet. Et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de Je suis celui qui suis. Il dit, c'est alors qu'on commença à faire appel au nom de Je suis celui qui suis. On découvre là que Elohim, on commença par l'appeler, par le nom de « Je suis celui qui suis ». Qui veut dire que Moshé, lorsqu'il demande, mais s'il me demande quel est, ton nom? Quel est le nom d'Elohim, tu leur diras, je m'appelle, je suis celui qui sera. Amen. Et là, il est dit, et ces paroles qui sont dans le livre de Genèse ont été révélées par Moïse. Et Moïse leur avait dit que c'est depuis cette époque
qu'on a appelé Elohim par je suis celui qui suis. Qui veut dire que lui, lorsque le Seigneur lui révèle cela, après qu'il monte sur la montagne, le Seigneur lui révèle que c'était depuis cette époque qu'on m'appelait comme ça. Et après, le Seigneur lui dit qu'Abraham l'a connu en tant qu'El Shaddai, Elohim Tout-Puissant. Mais lui, il apprend à le connaître comme je suis celui qui sera. Amen. Qui veut dire que c'est quelque chose, c'est un nom qu'on appelait Elohim dès le départ. Et c'est dans le livre de qui un livre qui n'est pas dans tous les canons, qui est le livre de Jubilé, et même dans le livre de Yaché, ou des Justes, on nous révèle qu'est-ce qui s'était passé. Parce qu'à la naissance de Enoch, hein, pas Enoch, celui qui monte au ciel, c'est le petit-fils d'Adam, qui est le fils de Chet. Hein, Chet, c'est celui qui a remplacé Abel. Lorsqu'il est né, eh bien, on apprend dans le livre de soit comme on appelle le livre des Justes ou le livre de Jubilé, voilà, excusez, le livre de Jubilé, on nous apprend qu'à cette époque, dès cette époque, l'homme était idolâtre. Ils ont construit des statues, ils adoraient ces statues-là, ils sont devenus idolâtres. Et pour que le Seigneur puisse se démarquer de ces idoles, parce qu'eux, ils appelaient ces idoles-là leur Elohim. Il y a Elohim qui est le vrai Elohim et il y a les faux Elohim. À ce moment-là, le Seigneur s'est révélé à la famille de Chet. Et le Seigneur leur a dit qu'il s'appelle « Je suis celui qui sera ». Amen. Mais il n'aura pas dit « Je suis celui qui sera ». Simplement, il a dit « Je suis Elohim ». C'est-à-dire que devant le mot Elohim est apparu le tétagramme. « Yod, Yé, Vav, Yé, Elohim ». C'est simplement pour appuyer, pour dire « Je suis le vrai Elohim ». C'est à ce moment-là qu'on a commencé à l'appeler « Je suis celui qui suis Elohim ». Parce qu'on appelait les idoles Elohim. Pour se démarquer du nom des idoles, parce qu'avant, les Elohim, c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. Et à ce moment-là, il s'est donné un nom propre qui « Je suis Elohim ». Alors, qui veut dire ça remonte depuis à l'époque de la naissance d'Enoch, le petit-fils d'Adam. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alors, vous me dites, Satan va dire quoi ça va faire là? Il va dire quoi ça va faire là? Alléluia. Alors, maintenant nous allons voir le terme alpha, aleph du moins, et tav. Hein, j'ai fait un lapsus, un révélateur. C'est Apocalypse ou Révélation, le chapitre 1, verset 18. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, je vous laisse chercher Apocalypse 1, verset 8. Je dis 18, verset 8, autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1? Alors, nous allons lire une première version et on pourrait lire une autre version. Alors, qu'est-ce qu'il est dit
dans cette version de Yeshua HaMashiach, Apocalypse 1, verset 8. Moi, je suis l'Aleph et le Tav. Moi, je suis l'Aleph et le Tav. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav. Alors, c'est là que vient le nom de l'émission. L'Aleph et le Tav, je suis. Alors, je suis là, c'est le tétragramme. C'est Yod, Yé, Vav, Yé, qui veut dire on retrouve le tétragramme dans le livre de l'Apocalypse. Je suis celui qui suit l'Aleph et le Tav. Et là, ce qui parle, c'est Yeshua. Amen. Il dit que lui, il est l'Aleph et le Tav. Le commencement et la fin. Ça. Amen. Alors, c'est une expression qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à part aux traductions de nos Bibles. Cela est traduit par comment? L'alpha et l'oméga, qui est la première lettre en grec, alpha, et la dernière lettre en grec, oméga. Alpha, ça vient d'Aleph. Et alpha se prononce A. Mais Aleph se prononce comment? Aleph n'a pas de son. Qui veut dire alpha vient d'Aleph, la lettre A, ça vient d'alpha, ça vient d'Aleph, mais ça ne se prononce pas pareil. Alors, peut-on traduire un mot, même si le symbole, c'est le même, vient à la même origine, hein, tout à l'heure on va donner plus d'explications, mais ça ne se prononce pas pareil dans une autre langue. Ce même symbole ne se prononce pas pareil. Alpha et A n'ont pas le même symbole, mais ça se prononce pareil. Amen. Bet, qui est la lettre B, et bêta et B, ça se prononce pareil. Pourtant, ce n'est pas le même symbole, mais ça se prononce pareil. Mais là, alpha, on a le même symbole, mais la prononciation est différente. Elle est différente. Hein. Et puis, vous avez Tav. Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, de l'alphabet, de l'alphabet en hébreu. Alors, mais la dernière lettre. La dernière lettre en grec, c'est oméga. Mais est-ce que Tav, c'est oméga? Tav se prononce T. Amen? T. Oméga se prononce comment? O. O. Ce sont deux prononciations différentes. Alors, peut-on dire alpha et oméga, mais et Aleph Tav? Aleph ne se prononce pas comme oméga. Et Tav n'a pas la même origine que oméga. Tav se prononce T et oméga se prononce comment? O. Alléluia. Alors, est-ce que dans l'alphabet grec, il y a l'équivalent de Tav? Tout à l'heure, on a vu qu'il n'y a pas l'équivalent d'Aleph. Mais c'est ce qui se rapproche le plus, c'est la lettre A. Mais est-ce que l'oméga, c'est la lettre qui se rapproche le plus? Eh bien, sachez que dans l'alphabet grec, il y a l'équivalent du Tav. Ça se prononce le Taou, hein, Taou, hein, ou Tau. C'était cette lettre. C'est la même lettre en phénicien. Ça se prononce comme en grec. Qui veut dire la lettre T, ça existe en grec. Mais la lettre T n'est pas la dernière lettre. Alors, les traducteurs ont choisi oméga. Et tous, on chante, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Mais on est loin de la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous allons revenir dessus un peu plus tard, le temps de vous faire respirer un petit peu. Jésus agira, il agira, il agira. Oh, il agira, il agira.
Alléluia. Amen. Alors, nous allons, je vais vous faire écouter une petite musique, dis un mot, ma vie va changer. Eh bien, le mot que nous allons faire aujourd'hui, c'est le mot Aleph et le mot Tav. Alléluia. Merci Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Alors le mot que nous allons voir maintenant, c'est le mot Aleph. Alors, comme je vous ai dit, c'est le premier mot de l'alphabet hébraïque. Amen. Alors nous allons voir, ce sont des mots qui existent même dans la Torah, dans les prophètes, mais que des fois, c'est compliqué de mettre ce mot, Aleph Tav, dans nos traductions. Alors, des fois, ça a disparu ou on l'a remplacé. Soit on l'a remplacé par Alpha et Oméga, ou on l'a rayé complètement du verset. Alors, nous allons voir un premier verset. C'est le premier verset de la Bible. Ou que ces deux lettres ont disparu dans notre traduction. Et après, nous allons essayer de comprendre ces deux lettres réunies, ça donne quoi comme mot, hein, comme prononciation. Hein. Comme je vous ai dit, Aleph n'a pas de son, et Tav, c'est te. Alors, quelle prononciation faire? Alors, premier exemple de la disparition de Aleph et du Tav, de ces deux lettres qui forment un mot dans le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1.
il est dit quoi? Il est dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors, en hébreu, c'est Bereshit, Bara, Elohim, Het, Ha-Shamahim, Ve-Het, Ha-Aret. Hein? Je vais aller doucement. Bereshit, ça veut dire commencement. Bara, ça veut dire créer. Elohim, c'est ce qu'on a traduit par Dieu. Et après, on a le Aleph Tav. Alors, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez voir le premier mot ici. Le premier mot, c'est Bereshit, qui veut dire dans le commencement. Et le B, ça veut dire dans. Ça veut dire la maison dans. Et Reshit, ça veut dire commencement. Bara, hein, qui veut dire Kriya. Elohim. Et après, on a ici Aleph Tav. L'Aleph et le Tav. Et l'Aleph et le Tav, on n'a pas pu le mettre en français. Alors du coup, on a mis au commencement Elohim, soit Kriya Elohim. Normalement, il y a Aleph Tav. Et après l'Aleph et le Tav, tu as les cieux et la terre. Hein? Les cieux, c'est Ha-Shamahim. Et après, on retrouve Aleph Tav ici. On retrouve Aleph Tav entre le ciel et la terre pour faire la liaison. On met le Vav, hein, qui est le crochet, avant Aleph Tav et Ha-Aret, qui est la terre. Amen. Qui veut dire que ça a disparu parce qu'on ne peut pas traduire. Mais nous allons voir qu'il y a des fois on peut traduire. Parce que le mot het, Aleph Tav, peut, comment dire, la signification de ce mot Aleph Tav, ça peut se prononcer du moins déjà avant la signification, parce que le Aleph n'a pas de son, qui veut dire que lorsqu'il n'y a pas de son, on entend seulement le son de la voyelle. Quand tu dis Elohim, Elohim commence par Aleph. On voit bien, Elohim commence par Aleph. Tu entends le son seulement de la voyelle. Hein? C'est comme si tu as un H avec un A, ça, tu entends A. Un H avec un I, tu entends I. Un H avec un E, tu entends E. Eh bien, pareil. Là, c'est de là est sorti le mot « et ». Qui veut dire que c'est la voyelle, c'est « et ». Hein? Parce que « et », c'est une voyelle en hébreu. Tu as le « i », le « et » et le « et », c'est une voyelle. Et « a » et « ou » et « o ». O et « ou ». Alors, là, c'est le mot « et ». Alors, le mot « et », c'est un mot qui s'écrit avec deux lettres, « aleph » et « tav ». Et ça signifie le temps. Le temps. Ça peut signifier aussi des fois « époque ». Ça peut signifier une époque, ça peut signifier le soir, ce temps-là, moment, heure, saison, alors, quand, vers, maintenant, heure, année, destinée, etc. Alors, c'est compliqué de mettre ces mots-là dans le premier verset de la Bible. Tu vas mettre quoi? Au commencement, Elohim créa le temps des cieux et de la terre. En fait, c'est ça l'idée. En fait, c'est ça le mot à mot. Elohim créa le temps. Et Yeshua dit qu'il est l'Aleph et le Tav, qu'il est le temps. On voit que le mot pour définir une époque, on utilise ces deux lettres-là. Mais ça peut nous emmener à penser que le temps, l'époque qu'Elohim créa les cieux et la terre, au commencement, l'époque qu'Elohim créa les cieux et la terre. Et une époque a un commencement et une fin. C'est pourquoi il dit, je suis l'Aleph et le Tav, je suis le commencement et la fin. Je suis une époque.
Mais on peut penser que ce verset qui a disparu, ce mot du mot qui a disparu du verset, nous empêche de comprendre que l'époque que le Seigneur créa le ciel et la terre et l'époque qu'il créa l'homme, ce n'est pas la même époque. L'époque du commencement, il a créé les cieux et la terre. Mm-hmm. Et l'époque qu'il a créé l'homme, peut-être qu'il y a des millions d'années. Parce qu'il dit au départ, le Seigneur crée quoi? Les cieux et la terre. Mais après, au verset 2, qu'est-ce qu'il nous a dit? La terre était tohu-bohu. Mm. Attends, s'il a créé la terre, il n'a pas créé la terre tohu-bohu. Mm. Qui veut dire que la terre est devenue tohu-bohu. Ce terme, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. Tohu-bohu. Ça veut dire qu'elle était informe et vide. Oui. Mais quand la terre était tohu-bohu, la terre existait. Oui. Et qu'il dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux et la terre n'existaient pas. Qui veut dire que lorsque le Seigneur dit que la partie sèche apparaisse, la terre était dans l'eau. Elle n'était pas encore visible. Elle n'était pas visible, mais elle était dans l'eau. Ça veut dire qu'elle existait. Elle était invisible. Elle était invisible, mais elle existait. Elle existait, mais quand il a prononcé. Lorsqu'il a prononcé, elle est sortie de l'eau. Qui veut dire l'eau existait. Les ténèbres existaient. Les ténèbres aussi, oui. Mais quand il dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, le mot « être » qui a été enlevé, veut signifier une époque. Veut signifier que l'époque qu'Elohim créa les cieux et la terre et l'époque que la terre était, parce qu'on est dit était informée vide, c'est une époque, c'est même pas la même époque. Au commencement, il créa les cieux et la terre. Après, la terre était informée vide. Après, qu'est-ce qui s'est passé? La terre était informée vide, la terre était sous les eaux. Après, la terre qui était sous les eaux est apparue. Les montagnes sont sorties de l'eau. Et à partir de là, cette terre a donné des arbres, des fruits. Et l'Éternel a pris cette terre pour créer les animaux et l'homme. Les oiseaux, l'eau a donné les poissons, mais qui veut dire que le mot qu'on a enlevé là nous fait perdre une connaissance. Entre le verset 1 et la suite du verset 1, c'est deux époques différentes. Et ça, c'est incompréhensible pour nous parce qu'on a enlevé juste deux lettres. Le Aleph et le Tav qu'on a enlevé, parce que c'est compliqué de le placer, parce que est-ce que ça veut dire époque, est-ce que ça veut dire temps, en ce temps-là, est-ce que ça veut dire le moment? Au commencement, Elohim créa le moment des cieux et de la terre. Qui veut dire qu'on pouvait le placer, mais on a peur de pouvoir ajouter. Alors, on a préféré enlever au lieu d'ajouter. Au lieu d'ajouter quelque chose qui ne soit pas juste, les traducteurs ont préféré enlever. Vous voyez, c'est lorsqu'on passe d'une traduction à une autre, ce n'est pas évident. Amen. Allez, écoute un petit peu de musique encore. Alléluia. Alors, nous allons prendre un deuxième exemple dans le livre de
Divarim, Deutéronome 6, verset 5. Je vous laisse chercher. Deutéronome 6, verset 5. Et puis, Deutéronome 6, verset 5. Devarim, ils disent Devarim, c'est un mot pluriel qui veut dire parole au pluriel parce que ce sont les dernières paroles de Moshe. Alors, c'est le Aleph Tav aussi a disparu de la plupart des textes en français. C'est un verset qu'on connaît. C'est un verset que chez les Juifs, c'est le verset, c'est le commandement le plus important, le plus grand commandement. Et pour les chrétiens aussi. Alors, Devarim, Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Aleph Tav. Je suis celui qui suis ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, je reprends. Tu aimeras Aleph Tav. Je suis celui qui suis ton Elohim. Il veut dire que Aleph Tav, je suis celui qui suis ton Elohim. Là, on voit que Elohim, il dit qu'il s'appelle Aleph Tav, je suis Elohim. Amen. Je suis ton Elohim. Et la plupart des traductions disent, tu aimeras ton Elohim ou tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça a été, le Aleph Tav, je suis, a été changé soit par Adonai, soit par le Seigneur. Mais on a enlevé ces deux lettres-là, disons ces six lettres-là, Aleph Tav, Yod He Vav Yeh. Mais le Seigneur, quand il donne à Moshe ce commandement, il précise Aleph Tav. Aleph Tav, je suis celui qui suis, ton Elohim. On avait vu que Elohim, il a ajouté « Je suis celui qui suis Elohim », mais là, il ajoute « Aleph Tav, je suis celui qui suis ton Elohim ». Amen. Amen. Et la plupart des textes, le Aleph Tav n'y est plus. Alors, maintenant, nous allons retourner dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons prendre la version seconde, Apocalypse 1, verset 8, la version seconde. Alors là, à ce moment-là, on l'a remplacé. Les autres fois, on a vu dans Deutéronome, il y a d'autres exemples. Hein. On l'a juste enlevé ou on l'a remplacé par Adonai. Mais là, on va voir que on a pris les lettres d'un autre alphabet. On a carrément changé d'alphabet. Il dit « Je suis l'Aleph et le Tav ». Dans le livre de l'Apocalypse, parce que Jean, il ne parlait pas grec. Il parlait hébreu, il parlait araméen. Et en araméen et en hébreu, il parlait hébreu et araméen. Et en araméen et en hébreu, ben, la lettre Aleph et la lettre Tav existent. Alors là, on traduit en fonction du grec. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent comme expression? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alors, lorsqu'on n'est pas, on ne connaît pas l'alphabet hébraïque, on va dire Amen. Mais est-ce que là, on dit que le Seigneur dit, là c'est à Yohanam, à Jean, que je suis le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga. Et tout à l'heure là, on a vu dans Deutéronome, il dit, je suis l'Aleph Tav, ton Elohim. Et là, il est dit, je suis alpha et oméga, dit le Seigneur Dieu. Qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui veut dire que on dit que c'est ce que le Seigneur a dit.
Est-ce que c'est grave de dire que le Seigneur a dit et ce n'est pas ça qu'il a dit? C'est grave. C'est grave. Parce que, pourquoi? Ils se sont appuyés, ils disent, bon, comme le texte est en grec, celui qui écrit le texte que nous traduisons, est en grec, il n'est pas en hébreu. Mais celui qui a écrit, qui est passé de l'hébreu au grec, il s'est dit, la première lettre en grec, c'est alpha, je mets à la place d'aleph, et la dernière lettre en grec, c'est oméga. Et comme c'est tav, la dernière lettre en hébreu, il a traduit par oméga, au lieu de traduire par taou, au lieu de traduire par t. C'est comme si on traduit oméga par z, ou on traduit tav par z. Je suis le a et le z. Mais z en hébreu n'a pas la même signification que t. Parce qu'en hébreu, chaque lettre a une signification et chaque lettre a une valeur numérique. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est grave ou pas? Alors, Aleph, la transliteration Aleph, comme je vous disais, n'a pas d'équivalent en latin. La lettre A vient de Aleph, mais la lettre A se prononce A. Alpha se prononce A. Mais Aleph se prononce. Alors, la prononciation de Aleph, c'est un silence. Amen. Alors, la signification. Maintenant, on passe à la signification d'Aleph. Aleph, ça vient de bœuf, de taureau. C'est ça, ça veut dire le taureau, ça veut dire le bœuf. Alors, par contre, alpha, Aleph et A, ils ont la même origine. L'origine vient de bœuf. Pourquoi bœuf? Parce que le bœuf, c'est chez les Égyptiens, c'est l'animal, le chef. Et comme c'est la première lettre, on utilisait le bœuf. Après, ça a évolué. Hein? Chez les Syriaques, ça a évolué. Et on fait une tête de bœuf. Après, chez les Phéniciens, ils ont fait un genre de la tête de bœuf, mais de façon, c'est un A qui est penché, la pointe va vers la gauche, hein, donc vers la droite, et puis voilà, c'est comme si c'est un A, mais qu'on a penché. Et puis les Grecs, il a redressé ce A-là, ça donnait le A majuscule que nous avons. Mais l'idée de la lettre, c'est pareil. Qui veut dire que sur le, même si cette lettre n'existe pas en grec, mais on peut comprendre que alpha soit tiré de aleph. Alors, pour ceux qui voient, je vous ai mis sur le site l'évolution. Hein, parce que c'était, le A était penché en bas, la pointe était en bas, et puis les deux pieds étaient en haut, les deux pieds servaient de deux cônes. Et le bas, ça faisait un triangle, ça servait de la tête. La tête. Et c'est pourquoi ça veut dire la tête. Lorsqu'on voit la lettre A, on ne pense pas à la tête parce que comme on l'a renversée, mais si on l'avait laissé, si on n'avait pas renversé la lettre A, on aurait vu le symbole d'une tête de bœuf. C'est parce qu'on l'a renversée. Alors aujourd'hui, cette lettre Aleph a une autre forme dans l'hébreu moderne. On reviendra une autre fois dessus. Alors, passons au Tav, la translittération de Tav. Tav, c'est To en grec. En grec, en phénicien, et c'est la lettre T. Hein? Parce que le Tav, au départ, en phénicien, c'était une petite croix, comme un multiplié. Hein? Comme le multiplié. Je sais d'où vous trouvez ça. Le tav au départ était comme un multiplié. Alors pour ceux qui ont la vidéo, je vous montre comment c'était le tav.
Alors, vous voyez, to, et en phénicien, pareil, taou, 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 qui signifie la marque, c'était une petite croix. Comme des gens qui ne savent pas signer, ils font une petite croix. Et ça signifie le signe. Qui veut dire qu'il y a un lien entre ces deux lettres. Mais en hébreu, c'est la 22e lettre, mais en grec, c'est la 19e lettre. Et de la croix, eh bien, ils ont fait le T, mais au lieu d'avoir un T comme une croix, mais ça donnait un T comme un T majuscule. Voilà. Alors, ça, c'est l'origine du Tav. Qui veut dire le Tav, ça signifie la marque, le signe. Mais Oméga, ça signifie quoi? Oméga, ça signifie le grand O. Pourquoi ils disent le grand O? Parce qu'il y a un petit O. Le petit O s'appelle Omicron. Nous avons beaucoup entendu parler de Omicron par rapport au virus. Parce qu'il y a deux O. Alors, le Omicron ressemble au O qui est dans. Le Omicron, ça ressemble au O de l'alphabet latin. Mais Oméga, ça a une autre forme. Hein. Pour ceux qui font de l'électricité, ils connaissent le signe Oméga. Voilà. Alors, qui veut dire que Oméga et Tav ne se prononcent pas de la même façon. Tav se prononce T et Oméga se prononce O. Et pourtant, ils avaient la possibilité de, même si le to n'est pas la dernière lettre, mais pour garder l'esprit du texte, ils auraient pu garder la lettre T. Parce que la lettre T n'a pas la même signification que la lettre Tav. Hein? C'est de là qu'est venue la croix. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, je vais passer un petit peu de musique et nous allons finir. C'est pas pour vous, mais c'est le ma pensée à qualité bien fait, mon Dieu, dans la vie. Ouais, quand personne va danser, pas faire rien pour ça, vous comprenez? C'est pas tout que comme devant mon Dieu, et comme si je pas dit merci, vous comprenez? C'est pas danser devant lui. Même toi, petit, pour me pas adorer, bon Dieu, comprends Abdoula. Parce que vraiment, non, pas bon Dieu, gloire, il y a chaîne qui a cassé, non, pas bon Dieu, gloire, il y a maladie qui a guéri, il y a l'homme qui a même levé, non, non, bon Dieu. Ouais. Alors, fais-moi tout le monde, les gosses, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Amen. Alors, Seigneur. Alors, retournons à notre texte. Poursuivons notre étude. Alors, sur le Tav. Le Tav, c'est une lettre très, 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 très importante dans l'alphabet. Amen. Alors, est-ce que c'est grave? La question peut se poser. Le fait qu'on a modifié les lettres. Parce que qu'est-ce que dit le livre de l'Apocalypse? Apocalypse. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Alors, je voulais chercher Apocalypse 22, versets 18 à 19. Apocalypse 19, versets 18 à 19. Loué, 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 loué.
Alléluia. Amen. Alors, est-ce que c'est grave le fait de donner, de d'avoir remplacé Aleph, Tav par Alpha et Oméga dans le livre de l'Apocalypse? Après, on va le voir pour d'autres livres. Déjà pour le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19? Nul ne doit ajouter, nul ne doit retrancher. Alors, Apocalypse 18. Apocalypse 22, à partir du verset 18, jusqu'à 19. Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie. Amen. Est-ce que les traducteurs du livre de l'Apocalypse, parce que ce livre, ça ne s'adresse pas à toute la Bible, hein? Ça s'adresse juste au texte de l'Apocalypse. On peut penser, parce que c'est à la fin de la Bible, ça ne s'adresse pas à toute la Bible, parce qu'il y a des livres, vous allez prendre des Bibles, il y a des Bibles qui ont des livres, plus de livres que d'autres. Ça ne concerne pas, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans le cas que certains ont ajouté des livres ou certains n'ont pas ajouté des livres. Dans le cas que les protestants ont moins de livres, on n'est pas dans le cas si, pour dire que les protestants ont enlevé des livres ou dans le cas que la Bible, la Septante, ajoutait des livres. Non, là, on est juste sur le livre de l'Apocalypse, sur le livre de la Révélation. Sur le verset que nous avons lu, on a changé le mot Aleph, Tav, par Alpha et Oméga. On a changé Aleph, T, par Alpha, par A et O. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ces paroles dites dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, que celui qui ajoutera ou celui qui enlevera une parole de la prophétie de ce livre, est-ce que le fait qu'ils ont changé Aleph, Tav, ils ont changé Alpha et Oméga, est-ce que cela est concerné? Alors, c'est la question que je vous pose. Vous pouvez réagir par WhatsApp 07 68 71 78 88 07 68 71 78 88. Est-ce que c'est grave? Est-ce que les paroles de Apocalypse 22 peut toucher ceux qui ont transformé le texte de l'Apocalypse? Parce qu'ils ont juste deux lettres qu'ils ont changées. Est-ce que quelqu'un, à cause de cela, ira en enfer? Mais il est dit, car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et si quelqu'un y ajoute quelque chose, Oméga a été ajouté. Elohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu les fléaux qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse? Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera quoi? Sa part du livre de vie. La ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Si au moins il peut aller dans la cité sainte, c'est déjà bien. Même s'il perd sa part, même s'il ne sera pas récompensé comme tout le monde, mais le fait qu'il ait égaré des gens en changeant une lettre, parce qu'aujourd'hui, tout le monde chante, je suis l'alpha et l'oméga. Personne ne chante, tu es l'alef et le tav.
à cause des traducteurs. Est-ce que les traducteurs vont rendre des comptes? C'est ça la question. Le fait qu'ils ont changé la lettre. Ils ont changé le nom de la lettre. La lettre qui signifie le commencement et la fin. Sans doute. Parce qu'il dit, nul ne doit y ajouter ou y retrancher. Alors, c'est la question que je vous pose, cher auditeur. C'est à réfléchir. Alors, nous, les chantres, commençons par changer. Quand vous chantez, je suis l'alpha et l'oméga, dites, je suis l'alef et le tav. Amen. Le commencement et la fin. Et c'est la même parole que Moshe a dite lorsqu'il écrit le livre de l'Alliance. Qu'on retrouve ce livre dans le livre de Deutéronome, hein, Devarim, Deutéronome 4, verset, chapitre 4, verset 1. Hein, on retrouve cette même expression. À toi la gloire, Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Personne ne peut résister à ta parole, car ta parole est esprit et vie. Lorsque tu déclares, elle s'accomplit, Jésus. Gloire à toi Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Lorsque tu dis, ça s'accomplit. Il n'y a personne qui est comme toi Jésus. Gloire à toi Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante papa et papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante papa et papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chante papa. Papa, c'est toi qui dis un mot. Alléluia. Amen. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Mais comment la chose peut s'accomplir si nous changeons le mot? Alors, Devarim, chapitre 4, verset 1. Deutéronome. Hein? Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien afin de garder les commandements de je suis celui qui suis, votre Elohim, que je vous ordonne. Amen. Vous ne ajouterez rien, vous n'allez rien retirer aussi, pour ne pas changer les choses. Pour ne pas changer la compréhension du verset, la compréhension du commandement. Amen. Amen. Et Yeshua, qu'est-ce que Yeshua lui-même dit? Qu'est-ce qu'il dit? Que lui, il n'est pas venu pour enlever quoi? Un seul iota. Un seul iota. Dans Matthieu, Matthieu 5, versets 17 à 20. Le Mashiach et la Torah. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les gens sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Car je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors, le Seigneur, il s'adresse à ses disciples pour qu'ils puissent pas avoir cette tentation d'enlever un yud, la plus petite des lettres. Parce qu'enlevant la plus petite des lettres, vous changez le sens du texte, vous changez le sens du mot. Et il dit, ou un point. Alors, le point, c'est ça sert d'accent. Hein? Au lieu de dire, même si c'est la même lettre, au lieu de dire be, avec le point, avec ou sans le point, ça peut faire ve. Au lieu de dire pe, la même lettre, ça peut faire feu. Le point sert à, c'est la même lettre, mais pour changer la prononciation. Yeshua est en train de dire, il n'est même pas venu pour changer l'accent. Pourtant, c'est la même lettre. Ni enlever la plus petite des lettres. Ces choses qui sont minimes à nos yeux, alpha, oméga, c'est minime. C'est comme si c'est un yud qu'on enlève. Il dit que c'est grave. Il dit que ces personnes, eh ben, dans le royaume des cieux, ils seront dans le royaume des cieux, mais sera appelé les petits. Alors, si nous voulons être grands dans le royaume des cieux, acceptons de réformer les choses. Amen. Acceptons de rétablir les choses afin que, eh bien, que nous ayons la place qui nous est réservée. Parce qu'il est dit que si tu ôtes, eh bien, la place qui t'est réservée sera ôtée. Qui veut dire que la culture hébraïque, étudier l'hébreu, ce n'est pas juste de l'alphabet, ce n'est pas juste du vocabulaire, ce n'est pas juste de la grammaire, mais c'est comprendre la pensée de l'hébreu. Parce qu'en hébreu, les textes de la Torah, les textes des prophètes, ils comptent, les scribes, ils comptent toutes les lettres. S'ils trouvent une lettre de plus, il recommence. S'il trouve une lettre de moins, il recommence. Tandis qu'en grec, on ne peut pas faire cela. Parce que l'hébreu, chaque lettre est sacrée. Amen. Tandis qu'en grec, non. En français, tu peux écrire... il y a des choses que tu peux écrire de différentes façons. Alléluia. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Il nous reste 2 minutes pour finir et je te laisse finir, soit par la prière ou dire quelques mots par rapport à tout ce que tu as entendu. Alors, merci, l'Alev et le Tav. Merci pour cette ouverture d'enseignement. Merci parce que tu dis, je suis l'Alev et le Tav. Tu l'as dit à Moshe. Quand tu as demandé à Moshe d'aller libérer ton peuple. Et Moshe t'a demandé qui. Et tu lui as dit, je suis qui je serai. Merci pour ton enseignement. Que tu as mis ton serviteur à notre service pour que nous puissions commencer à comprendre l'hébreu, à comprendre le sens de cette langue. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Amen. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.
va changer. Dis à mon ma vie va changer. Dis à mon changer.